Optimize Africa a le réel plaisir de vous offrir cette émission en partenariat avec South African Airways et Ernst & Young. Depuis quelques jours, tout le monde parle de l'OADA en RDC, parfois de manière technique, parfois de manière simple. Pour cette émission, nous avons choisi d'expliquer à monsieur et madame tout le monde les origines et le contenu de l'OADA. Les institutions de l'OADA. L'OADA est structuré autour de plusieurs organes. La conférence des chefs d'État et de gouvernement, le conseil des ministres, le secrétariat permanent, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA, CCJA, l'École régionale supérieure de la magistrature, RSUMA. Revenons de manière détaillée sur les attributions de chacune de ces institutions. Le Conseil des ministres est le cœur du fonctionnement législatif de l'OADA. Il est chargé de l'adoption des actes uniformes et des règlements d'application du traité. Au-delà de son rôle dans les procédures budgétaires et l'organisation, adoption du budget, il influe sur le fonctionnement des autres institutions en participant à l'élection des membres de la Cour commune de justice et d'arbitrage et à la nomination des dirigeants du secrétariat permanent et de l'École régionale supérieure de la magistrature. Le secrétariat permanent est l'organe exécutif de l'OADA. Il coordonne des autres institutions, exerce une tutelle sur l'École régionale supérieure de la magistrature et assiste le Conseil des ministres dans la rédaction, la préparation et la publication des actes uniformes au journal officiel de l'OADA. La Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA, CCJA, intervient dans la procédure d'adoption des actes uniformes en tant qu'organe consultatif. Elle est, par ailleurs, chargée de l'interprétation et de l'application des actes uniformes. En cas de pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions nationales, la CCJA est saisie comme juge en cassation. La Cour commune de justice et d'arbitrage occupe aussi une place incontournable dans la procédure d'arbitrage. Elle procède à la nomination et à la confirmation des arbitres, suit le déroulement des procédures d'arbitrage et examine les projets de sentence sans pour autant avoir de pouvoir de modification autre que formel sur ces dernières. La SCI est le transporteur de choix qui apporte l'inspiration de l'Afrique au monde et le monde à l'Afrique. En 2012, la SCI est également devenue le premier et seul transporteur à offrir des vols directs à partir de l'Afrique australe en direction de ce géant économique qu'est Begin, une route stratégique et cruciale reliant Johannesburg, capitale économique de l'Afrique, au centre politique, culturel et pédagogique de la Chine. South African Airways, qui apporte le monde en Afrique et l'Afrique au monde. Ernst & Young, cabinet de conseil pour construire un environnement de travail meilleur. Nous sommes plus de 167 000 professionnels à travers le monde au service de nos clients. Notre firme est intégrée en Afrique, avec une présence dans 5 régions et plus de 33 pays, parmi lesquels l'Afrique du Sud, l'Angola et notamment la République démocratique du Congo depuis octobre 2007. Notre mot d'ordre,
la qualité dans tout ce que nous faisons pour nos clients. Nous vous proposons une offre complète allant de l'audit jusqu'au conseil de direction. Nous développons nos effectifs en RDC pour mieux vous servir. Et nous créons pour vous de nombreuses publications sur l'environnement des affaires en Afrique et pour contribuer à l'image d'une Afrique qui grandit, à l'image d'une Afrique qui gagne. Vous souhaitez construire un environnement de travail meilleur ? Choisissez Ernst & Young. L'École régionale supérieure de la magistrature, ERSUMA, est un centre de formation, de perfectionnement et de recherche au service des professionnels de l'OADA. Le droit applicable par les acteurs et opérateurs économiques des États parties de l'OADA est contenu dans les actes uniformes pris par le Conseil des ministres. Depuis 1997, ce dernier a adopté 11 actes uniformes, à savoir l'acte uniforme relatif au droit commercial général, l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, l'acte uniforme portant organisation des sûretés, l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, 1998, l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, 1999, l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, 2000, l'acte uniforme relatif au contrat de transport des marchandises par route, 2004, l'acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, 2010. Deux actes uniformes ont bénéficié d'une révision en 2010. L'acte uniforme révisé relatif au droit commercial général et l'acte uniforme révisé portant organisation des sûretés. L'OADA pouvant être considéré comme un droit des activités économiques, ce dernier devrait évoluer dans les années à venir. Plusieurs actes uniformes sont en cours de préparation en matière de protection du consommateur, de droit du travail, de la propriété intellectuelle ou des activités bancaires. Pour l'heure, la mise en œuvre des différents actes en vigueur est effectuée soit par l'entremise de la bonne foi des acteurs économiques ou alors par la voie du contentieux. Quelle que soit la matière, le traité OADA propose deux voies de règlement des litiges, la voie judiciaire et la voie de l'arbitrage. La voie de l'arbitrage. La place particulière qu'accorde l'OADA à l'arbitrage est en fait le premier instrument du règlement des différends contractuels. L'arbitrage est organisé par des arbitres nommés ou confirmés par la Cour commune de justice et d'arbitrage. Elle chapeaute le suivi du déroulement de la procédure et examine des projets de sentence. Les décisions rendues en arbitrage ont l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de l'ensemble des États parties, au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'État. Elles peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en vertu d'une décision d'exécature. La voie judiciaire. Au-delà de l'arbitrage, les acteurs économiques peuvent opter pour la voie judiciaire. L'application des actes uniformes est assurée en première instance et en appel par les juridictions nationales compétentes. La cassation n'est pas assurée par les cours suprêmes ou de cassation nationale, mais par la Cour commune de justice et d'arbitrage. Ces décisions sont applicables dans tous les États parties et permettent d'assurer une harmonisation des décisions de justice. C'est ici que s'achève notre émission de ce jour sur le droit OADA. Avant de nous quitter, nous vous proposons un peu de lecture. Le traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires et le traité portant révision du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Vous pourrez tout naturellement retrouver l'intégralité de cette émission et de la documentation sur notre site internet www.optimizeafrica.com/OADA. Optimize Africa a eu le réel plaisir de vous offrir cette émission en partenariat avec South African Airways et Ernst & Young.